Mais Cyril, on débute avec les audiences d'hier soir. Qu'est-ce que les Français ont regardé à la télé ? Succès hier pour France 3, plus de 4 700 000 personnes ont regardé le téléfilm Meurtre à Bride-les-Bains avec Lynn Renault. Deuxième place pour TF1 avec sa série Prodigal Son, suivie par plus de 3 800 000 téléspectateurs. Et la troisième place du podium pour Pékin Express, plus de 3 200 000 Français étaient devant M6. A noter Philippe qu'il s'est passé quelque chose de très rare hier soir à la télé. Ah oui, dites. Vous allez voir, suspense terrible. On le sait, Canal+ a achevé hier sa période de gratuité et pour finir en beauté, la chaîne avait programmé le film Rebelle d'Alain Mauduit avec Cécile de France et Yolande Moreau. Rebelle un peu comme le geste de Canal+. Eh bien, cette dernière soirée en clair a été un succès. Si en moyenne, Rendez-vous en terre inconnue sur France 2 devance très légèrement le film de Canal+, pendant le temps de sa diffusion, c'est bien Canal qui était hier soir devant France 2. Un joli coup pour la chaîne désormais redevenue cryptée.